Bonjour, bienvenue sur notre page Se soigner par les plantes. Une nouvelle plante aujourd'hui, le trèfle rouge, qui est assez abondant dans les prairies. On le reconnaît facilement avec ses petites fleurs qu'on appelle en glomérules violets. Alors le trèfle rouge, appelé aussi Trifolium pratense ou trèfle des prés, et bien c'est vrai que c'est une plante qui est prisée par les agriculteurs. Pourquoi ? Parce qu'elle fixe l'azote. Elle n'a pas beaucoup besoin d'engrais chimiques pour bien pousser. Alors c'est vrai que depuis très longtemps, on utilisait le trèfle rouge, notamment les glomérules, pour faire des boissons qui vont être dépuratives. Alors maintenant, c'est complètement tombé en désuétude. Par contre, historiquement, les bergers, dans certaines prairies, voyaient leurs brebis qui consommaient ce fameux trèfle rouge être moins fertiles. Eh bien, des recherches ont été faites sur le trèfle rouge. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, celui-ci, il est très riche en isoflavones, des composés phytoestrogéniques que l'on va retrouver par exemple dans le soja. Eh bien, comment est-ce que l'on va utiliser cette plante ? On va l'utiliser justement contre des syndromes comme les bouffées de chaleur. Alors, c'est une plante qu'on va trouver généralement sous forme de gélules pour bien maîtriser la posologie. Et c'est une plante qui va être utilisée selon l'avis de votre professionnel de la santé. Voilà le trèfle rouge aujourd'hui. À bientôt sur notre site se soigner par les plantes.com.